Il y a bien un film qui aurait convaincu Marie Boulle, c'est La Cour de Babel, le documentaire de Julie Bertuccelli qui sort demain sur les écrans. Une plongée dans une classe d'accueil pour jeunes collégiens étrangers qui apprennent le français. Alors pourquoi avoir choisi cet angle-là? Et comment filme-t-on de l'intérieur une jeunesse en voie d'intégration? Cour de Babel, l'émotion entre les murs. Alexandra Rowe. On dit salam alaikum. Salam alaikum. Mais c'est pas votre pays, c'est mon pays. Oh. La Cour de Babel, c'est le nouveau documentaire de Julie Bertuccelli, une réalisatrice que l'on a découverte en 2004 avec Depuis Cotard est parti, pour lequel elle a reçu le César de la meilleure première œuvre. Après une deuxième incursion dans le monde de la fiction en 2010, elle revient aujourd'hui à ses premières amours, filmer le réel en s'immergeant dans une classe d'accueil pour les enfants qui viennent d'arriver en France. Madame, c'est comme moi, ils se moquent de moi trop parce que je parle français avec l'accent anglais. Oui. Tu as vu? J'ai commencé par le documentaire, c'est ma première, ma première passion et vraiment j'en ai besoin. Après des fictions qui sont souvent des choses très lourdes, des énormes aventures, plein d'argent, plein de problèmes, de redevenir quelque chose de plus léger, de plus direct, le plaisir de vivre avec des gens autres et pas être dans la refabrication d'un monde, c'est un plaisir inouï. Après Être et Avoir et Entre les murs, La Cour de Babel de Julie Bertuccelli nous offre un autre regard sur la vie d'une école. Pour cette ancienne étudiante de Cagnes et d'Hippocagne, c'est à l'instinct qu'elle a filmé cette classe. Madame, là, on est dans une classe d'accueil, mais on ne sait pas qu'on va partir en classe ordinaire. Alors, quelle a été sa méthode et comment s'y est-elle pris pour faire oublier sa caméra? Julie Bertuccelli, mode d'emploi. La difficulté pour l'intégration, c'est pas tant eux que nous. C'est la manière dont nous, on les accueille. Eux, ils ont une volonté de venir en France, qui sont très durs. C'est des héros d'avoir tant eu de courage de traverser les océans pour venir ici, avec un arrachement. C'est un exil. L'exil, c'est une chose terrible. Et donc, on est responsable si jamais ça tourne mal, je crois. Je suis venue en France pour faire un futur. Je suis venue en France pour devenir une femme libre. On n'oublie pas la caméra, ça c'est sûr, surtout pas le micro, parce que c'est à la limite ce qui est le plus gênant, c'est quand la perche arrive comme ça sur l'élève et il sait que c'est lui qu'on enregistre. La caméra, elle est un peu plus discrète parce qu'elle est dans un coin, puis je zoome et voilà, je suis pas toujours collée à eux, mais j'étais avec eux, quoi. J'ai jamais eu le sentiment de faire un film sur eux où ils auraient été gênés, je pense pas que la caméra ait changé quoi que ce soit dans l'atmosphère de la classe. Ça les a pas empêchés d'être turbulents ou d'être sages s'ils le voulaient. C'était vraiment un travail ensemble, quoi. C'est moi qui cadre, et il y a un ingénieur du son, et on est du coup une équipe très légère, et c'est un bonheur de le faire, hein, parce qu'il y a la grâce d'arriver par moments, de faire le plan qu'il faut, de faire un panneau, et d'arriver au moment où une élève dit une phrase magnifique. Il y a bien d'autres élèves avec qui tu t'entends bien. Avec Dieu, voilà. Il n'y a pas une manière bien de filmer. L'important, c'est que ça soit la mienne. C'est juste qu'il faut que ça me ressemble. Dès le départ, j'avais décidé de vraiment faire le portrait du groupe et de ne pas faire des portraits de certains élèves. C'est pour ça que d'ailleurs, je ne suis pas allée chez eux et que je voulais rester dans le cocon de la classe pour les voir grandir ensemble. Bien sûr, il y a des élèves qui ressortent, mais c'est au montage que tout se joue après pour trouver le bon équilibre. Parce qu'il suffit qu'il y ait une scène de plus avec un élève et tout d'un coup, ça devient le personnage principal. J'étais très très heureuse de travailler avec vous. Je suis émue.